Tout va bien? Bonjour. Bonjour. Bonjour Ali. Bonjour Mathias. Bonjour Hamad. Vous allez bien aujourd'hui? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Oui. Oui. Ça va bien, merci. À vous. Et moi aussi. Alors, on peut commencer? Oui, bien sûr. Vous êtes des élèves brillants. J'aime beaucoup être toujours avec vous. Merci. Et nous aussi. Toujours, toujours, j'attends que je serai en EB7. Dès le début de la journée ou... Rien comme ça. Je me sens à l'aise avec vous. Maîtresse? Oui. Oui. Maîtresse? Oui. Maîtresse, c'est demain à école? Non, c'est congé. Yanni, on a à école? Non, il n'y a pas congé. Autre-le. Pas d'online. Oui. Même online, on n'a pas d'online. Reposez-vous demain. Ah, dis non, non. Quoi? Je n'ai pas dit qu'on a une école. Car on a demain, non, le 19. Oui, c'est la fête de la naissance du prophète. C'est pour cela oui, qu'il y a congé. Alors, il n'y a pas école. Il n'y a pas online. Oui, Latifa, demain c'est congé parce qu'il y a la fête de naissance du prophète. D'accord? Mais là, la pauvre, elle n'a pas un message. Oui, Nourhan, tu peux ouvrir la caméra. Miss Bilal ne peut pas. Bilal ne peut pas participer. Oui. Moi, j'ai fait look meeting. Donc. Oui, car. Donc, il peut maintenant nous rejoindre. D'accord. C'est bien passé. Alors, donc, il est avec nous. Donc, qui était en train de me parler? Oui, Latifa, qu'est-ce que tu étais en train de dire? C'est comme Bilal est. Un lockdown sur le meeting. Oui, oui. Parce qu'il y a d'autres étudiants qui participent avec nous. Il y a Stéphanie, il y a Ali Falah, je crois. Ali Falah. Oui, c'est de Miss de l'anglais. De l'anglais. Demoiselle, j'ai fait le meeting. Oui, Ali. Demoiselle, moi, j'ai fait tout ce que tu as dit dans l'e-school. J'ai fait le texte, j'ai écrit tout. C'est le cahier de compréhension écrit et j'ai retenu l'excès. D'accord, très, très bien. Donc, tout le monde a reconnu ce que vous envoyez sur les écoles? Oui, tout, tout. Moi, j'ai recopié tout et j'ai retenu. Maîtresse? Très bien, c'est excellent, Chaza. Oui, Mohamed. Bien, maîtresse. Oui, Mohamed. C'est bien toi que il a recopié. Oh, maîtresse! Qu'est-ce que tu as, Mohamed Damaj? Rien. Non, je m'en appelais. Non, je dis pour te voir ça. D'accord. Oui, Nourhan. Mais tu n'as pas envoyé pour l'e-school. Si, la maître et professeur que je veux, moi et Bilal. Ah oui, oui, maître et professeur. Oui. Je peux envoyer la différence. D'accord, aujourd'hui je peux envoyer. Oui. J'ai envoyé les réponses aux questions, n'est-ce pas? Toutes les réponses, de 1 jusqu'à 6, je crois. Oui, seulement. Mais... Oui. D'accord, très bien. Donc, c'est pas grave. Aujourd'hui, je peux t'envoyer, ou bien je peux envoyer pour tout le monde la différence entre maître et professeur pour corriger à la maison. D'accord? D'accord. Alors,
Donc, avant de commencer, on va faire une lecture du texte, puis on va continuer les questions qui sont en rapport avec les outils de la langue, grammaire, conjugaison, orthographe et dictée. Tout le monde a le livre devant lui? Oui. Alors, oui. Donc, je veux moi-même vous montrer le livre. D'accord. Donc, je demande à Latifa de commencer la lecture du texte. Les autres, vous suivez. Je veux dire à quelqu'un de continuer. C'est clair? Alors. D'accord. Oui. Vas-y, Latifa, commence, s'il te plaît. Au collège, pendant les deux premiers mois... Ostafa, je n'arrive pas à bien entendre, Latifa, s'il te plaît. D'accord. Au collège, pendant les deux premiers mois, je fus entièrement dépaysée. Tout d'abord, dans cette caserne secondaire, je n'étais plus le fils de Joseph. Latifa, que veut dire dépaysée? Paysé. Oui. Dépaysé, c'est... Je peux? Oui, Mohamed Damas. Perdu. Très bien. Donc, dépaysé, c'est perdu ou bien déconcentré. Merci, Mohamed. Alors, oui, continue la tire. Tout d'abord, c'est caserne secondaire. Je n'étais plus le fils de Joseph, le petit garçon que tous les maîtres tutoyaient et qui jouait le jeudi ou le dimanche dans la cour des serres de l'école. Maintenant, j'étais à l'étranger chez les autres. Merci, très bien, Latif. Très belle lecture. Merci beaucoup. Je peux? Vas-y, madame, je continue. Oui, madame, je continue. Oui. Je n'avais plus... Oui, maîtresse. Oui, j'ai cru que tu n'as pas entendu. Continue. Je n'avais plus... Je n'avais plus ma classe et mon pupitre. Nous changions sans de cesse. Local et les pupitres. Quoi? Sans cesse. Sans cesse oui. De local. Et les pupitres n'étaient pas à nous. Savions pas grand chose. Au lieu d'un maître. Ali Berro, continue. Merci beaucoup, Mohamed. Très belle lecture. Bravo. De rien. Au lieu d'un maître, j'avais 5 ou 6 professeurs qui n'étaient pas, pas seulement les miens, car ils enseignaient aussi. N'oubliez pas de faire la liaison. Oui. Oui. Quand il enseignait aussi dans d'autres classes, nous seulement, il ne m'appelait pas Marcel, mais il oubliait il parfois mon nom. Enfin, ils oubliaient la liaison. Oui. Ils oubliaient parfois mon nom. Enfin, ce n'était pas eux qui nous surveillaient pendant les récréations. On ne voyait guère que leur bus dans leur chair comme c'est sans tort. Qui sont toujours à cheval ou comme les caissières dont
des grands magasins. Merci Ali, bravo. Bilal, vas-y, continue. Oui. Enfin, j'étais cerné par un grand nombre de personnages, tout différents les uns des autres. Mais coalisés contre moi pour contre moi pour me pousser sur le chemin de la science. Très bien, Bilal. Très belle lecture. Bilal, que veut dire coaliser? Uni. Très bien. Donc, coaliser, ça veut dire uni. D'accord? Alors, on va continuer la suite. Oui. Tellement, moi et Nourhan qui ouvre la caméra. Oui, oui, je vois. Maintenant, tout le monde va ouvrir les caméras. D'accord? Yes, mais moi, je n'ai pas dit. Moi, je ne peux pas. Qui ne peut pas ouvrir? Pourquoi, Bilal? J'ai mis le téléphone sur le charge. Ah, d'accord, d'accord. C'est pas grave. Donc, mais s'il te plaît, fais attention et reste avec nous. Même si je ne te vois pas, je peux te poser des questions, oui. D'accord? Oui, allez-y. Oui, je fais attention. Donc, je passe à Nourhan. Donc, on va continuer à travailler les questions. On est à la page 13, partie grammaire. Donc, on travaille maintenant les outils de la langue. D'accord? Faites attention, on commence par la première partie qui est la partie grammaire. Vas-y Nourhan, s'il te plaît, lis la première question. Faites attention. Relevez les connecteurs qui organisent l'explication du narrateur. Quelle est leur nature? Oui. Qui peut me dire quels sont les connecteurs qui organisent les explications du narrateur? Que veut dire les connecteurs? Ce sont des mots qui peuvent exprimer le temps ou le lieu. D'accord? Donc, je peux les trouver dans un texte pour organiser le texte. D'accord? Donc, quel mot le narrateur a utilisé pour organiser ces explications? Et quelle est leur nature? Leur nature, ou bien ce sont des adverbes de temps ou bien des adverbes de lieu. Alors, vas-y Nourhan, tu peux répondre. Je peux vous montrer le texte. On va revenir au texte. Mais pourquoi ça c'est en grand? Écoutez un peu. Mais pendant les deux premiers. Oui. Alors, pourquoi c'est agrandi comme ça? Écoutez, d'accord. Donc, oui. Pendant les deux premiers, les connecteurs qui organisent le narrateur, c'est pendant les deux premiers mois. Oui, attends un peu, Nourhan. C'est vrai que pendant les deux premiers mois, ça exprime le temps. D'accord? Mais c'est une expression qui organise le temps. Ce n'est pas un connecteur. D'accord? Donc, je peux avoir autre réponse. Qui peut me donner d'autres réponses? Mais. Oui, maintenant. Je peux? Maintenant. Très bien, donc on a le connecteur maintenant qui exprime le temps, c'est-à-dire le présent. Oui? Oui. Bravo Nourhan. Oui. Hamad Damash. Mais il y a avant maintenant, il y a un connecteur avant maintenant. Dans cette caserne, c'est bon. Donc, dans cette caserne, c'est bon. Attends Bilal. Hamad Damash. Dans cette caserne secondaire, ça exprime quoi? Quelle question je peux poser? Le lieu. Le lieu.
Donc, je veux pas, je veux avoir des connecteurs qui organisent les explications du narrateur. C'est-à-dire, comme premièrement, qu'est-ce qu'il a dit, deuxièmement, troisièmement, je ne sais pas quoi. Quels sont ces connecteurs qui organisent les explications du narrateur? Donc, Nurhan a dit maintenant, c'est vrai. Mais avant maintenant, il y a un autre connecteur, avant de passer aux autres connecteurs. Oui, Nurhan. Maîtresse, je dis maîtresse. Écoutez, ne parlez pas tous ensemble. Écoutez un peu. Celui qui a une réponse, il fait raise hand. Ne parlez pas tous ensemble. Je dis le dimanche. Donc, je veux donner la parole à... Oui, Ali. Le samedi et le dimanche. Samedi et dimanche, ça indique quoi? Est-ce que c'est un connecteur? Ça indique le lieu. Pardon, ça indique le temps, mais ce n'est pas un connecteur. Oui. Ce sont des expressions de temps, ce n'est plus un connecteur. Oui, Shaza. Shaza, tu as une réponse? Oui, je me sens. La même réponse. Ah, d'accord. Donc, Ali. Oui. Tu as levé la main? Oui. Tu as levé la main? Ah, j'ai oublié de la... D'accord. Oui, Bilal. Moi? C'est très clair. Moi? Très clair, le connecteur qui exprime ou bien qui organise l'explication. Donc, moi-même, je vais vous le dire. Donc, c'est... Tout d'abord. Donc, c'est... Tout d'abord. C'est un connecteur qui organise l'explication du narrateur. Donc, il a commencé par tout d'abord. Par suite, il a utilisé maintenant. On va continuer. Yal. Ou les autres, ou bien quel connecteur je peux trouver. Donc, tout d'abord. Maintenant, il y a... un dernier connecteur qui est celui qui va donner une bonne réponse, il va y avoir un plus. Réfléchissez, regardez bien le texte. Celui qui va me donner une réponse correcte, qui va, ou bien qui va me dire quel est le connecteur, qui va trouver le connecteur, le dernier connecteur va avoir un plus. Alors, regardez, je vous demande chacun, celui qui a levé la main pour donner le temps aux autres de réfléchir, de m'envoyer par message quel est le connecteur qui exprime le temps. Allez-y. Qui exprime le temps? Oui. Monsieur. Très bien, Nurhan. Excellente. Bravo, Nurhan. Oui, les autres. Ali, Bilal, Damaj, envoyez. Non, Mohamed, dans la minute, ça indique le lieu. Vas-y, Ali. Moi, j'ai écrit une minute. Moi, je veux écrire le hasard. Non. Shaza, pendant, ce n'est pas un connecteur. Chemin, c'est, ça exprime le lieu, y a Bilal. Ali, jeudi et dimanche, on a dit, ce sont des expressions qui ne sont pas des connecteurs. Mais seulement moi, c'est juste. Oui, seulement Nurhan a donné la bonne réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre va ajouter une réponse? Oui, moi. Oui, Ali. Non, à l'école, ça indique le lieu. Est-ce que ça organise ce que le narrateur vient de dire? Non. Donc, c'est fini. C'est fini. Nurhan, s'il te plaît. Nurhan. Oui. Donc, dis à tes camarades quel connecteur
tu as trouvé dans le texte. Enfin. Donc, très bien, c'est le connecteur enfin. Alors, le connecteur enfin, regardez. Ah, maîtresse. Donc, moi, je... Enfin. Tout d'abord, premièrement, maintenant, c'est-à-dire second, ou bien au second lieu, et enfin. Donc, ces trois connecteurs organisent les explications du narrateur, c'est-à-dire, il a parlé dans trois étapes. Il nous a raconté son histoire à travers trois connecteurs qui sont tout d'abord, maintenant et enfin. Ces connecteurs, je les appelle des adverbes de temps, c'est-à-dire leur nature, ce sont des adverbes de temps. Oui? Très question. Mais tu as dit dans le deuxième paragraphe. Non, je n'ai pas indiqué dans quel paragraphe. J'ai dit on a trouvé deux connecteurs, il reste un dernier connecteur, c'est à vous de le trouver. Je n'ai pas indiqué dans quel paragraphe, ya Mohamed. D'accord? Oui. Oui, Nourhan, qu'est-ce que tu as? Non, ça me... Mais j'ai eu un plus. Oui, tu as eu un plus, certainement. Tu as donné la bonne réponse. Oui, Ali, qu'est-ce que tu as? Non, j'ai toujours oublié de... D'accord, donc, s'il vous plaît, faites attention. Vous arrivez à donner les bonnes réponses et à chaque fois, je veux vous donner des plus. N'ayez pas peur. Si ce n'est pas la première fois, ça va être la deuxième fois. D'accord, mais je vous demande toujours d'être attentif pour bien répondre. On passe à la question numéro 2. Je demande à Shaza de lire la question. Vas-y, Shaza. Suivez. Quelle est la forme de phrase qui revient souvent dans les deux premiers paragraphes? Relève ces phrases, comment sont-elles formées? Quelle impression? Cet usage fréquent crée-t-il auprès du lecteur? D'accord. Donc, on a dans la question 2, on a plusieurs questions. Alors, oui, Shaza, tu peux donner la réponse à la première partie de la question. Quelle est la forme de phrase qui revient souvent dans les deux premiers paragraphes? Alors, dans les deux, avant de donner la réponse, qui peut me dire combien de formes ou bien quelles sont les formes de phrases qu'on peut avoir? Oui. Donc, quelles sont les formes? Celui qui a une réponse, il lève la main. Ne parlez pas sans permission. Donc, les formes de phrases. Quelles sont les formes de phrases? Oui, Shaza. Shaza. Oui, mais les phrases interrogatives. Shaza, non, je parle ici. Si tu as dit phrase interrogative, c'est le type de la phrase, ce n'est pas la forme. D'accord? Qui peut me dire combien de formes de phrases on a? On peut avoir combien de formes de phrases? Je peux? Maîtresse? Oui, Mohamed. On a deux formes de phrases. Très bien. Quelles sont ces deux formes, Mohamed? Maîtresse, une phrase complexe et une phrase simple. Non, ce ne sont pas les formes de phrases. Oui. Qui se rappelle quelles sont les deux formes de phrases? On a deux formes de phrases. Hamad a dit on a deux formes de phrases. Mais ce n'est pas complexe ou simple. Oui, Nourhan. Explicatif. Non. Alors, personne n'a gagné aujourd'hui. Donc, les deux formes de phrases sont... Il y a Shaza. Il y a Shaza. Shaza, je veux voir. Oui, Shaza, qu'est-ce que tu as? Les phrases négatives et les phrases interrogatives.
Affirmative. Donc, très bien. On a la phrase négative. C'est la première forme, n'est-ce pas? Donc, phrase négative. La deuxième forme. Affirmative. Très bien, c'est la phrase affirmative. Donc, quelle est la différence entre la phrase affirmative et la phrase négative? Miss. Qui peut me dire quelle est la différence? La phrase négative, elle contient de ne ou pas. Dans la phrase négative, je peux trouver ne plus. Très bien. Un apostrophe. Très bien. Un apostrophe. Pas, etc. Donc, je peux beaucoup trouver. Je peux trouver plusieurs expressions qui marquent la négation dans une phrase négative. Dans la phrase négative, toujours la réponse, c'est non, n'est-ce pas? Oui. Plutôt la forme affirmative. Donc, c'est la forme de phrase qui ne contient pas de négation. Donc, la réponse à cette phrase est toujours à la forme oui. D'accord? Donc, toujours, elle répond à la question... Oui, donc on a deux phrases. La phrase, je n'ai pas compris. Ouh, qui n'a pas compris? Moi. Pourquoi? C'est Bilal qui parle, n'est-ce pas? Moi, j'ai pris ne pas. Non, ce n'est pas moi, madame. Écoutez, j'ai mal à la tête. J'ai dit 1000 fois, celui qui va parler. Qui lève sa main pour savoir qui est en train de parler? Levez la main. Faites raise hand. Je peux voir qui est en train de me parler. Alors. Oui. Je commence par Ali. Oui, Ali, qu'est-ce que tu as? Donzel, mais où est donc Ornica? C'est quoi? C'est la coordination, Ali. C'est pas... C'est ce que c'est oui, pas entré. Je ne veux pas entrer dans les détails. Oui, Mohamed Damous. Maîtresse, je n'ai pas compris ça. Donc, on a deux formes de phrases. On a la forme négative et la forme affirmative. La forme négative, c'est-à-dire lorsque je trouve dans la phrase ne pas, ne plus, un apostrophe pas. Donc, toujours, c'est la négation, c'est non. Mais la phrase affirmative, oui. C'est la phrase dans laquelle je donne une information sans faire de la négation. Et sans utiliser ne pas, ne plus, ne jamais, un apostrophe pas, ne guère, et ainsi de suite. D'accord? Et on ne fait pas de justifier? Non. D'accord? Donc, c'est la différence entre négative et affirmative. Après, on va travailler une leçon complète sur les formes de phrases, les types de phrases. Maintenant, parce que c'est dans la question, j'aimerais bien vous dire c'est quoi. Alors, c'est clair maintenant? C'est clair maintenant? Alors, maintenant, je reviens à Shaza. Shaza, tu peux répondre maintenant à la question. Quelle est la forme de phrase qui revient souvent dans les deux premiers paragraphes? Donc, faites attention à la question. Il faut se limiter seulement à ce qu'ils ont demandé, c'est-à-dire je veux trouver la réponse dans les deux premiers paragraphes. Alors, je reviens aux deux premiers paragraphes. Où sont les deux premiers paragraphes, Shaza? D'où jusqu'où? C'est les deux premiers paragraphes. Le premier paragraphe, c'est de pendant... Juste oui. Les autres. Et très bien. Deuxième paragraphe, et je n'avais plus pas grand-chose. Très bien. Donc, ce sont les deux premiers paragraphes. Donc, il faut se limiter seulement aux deux premiers paragraphes. Tu dois, Yashaza, me dire quel est le type de forme qui revient souvent, c'est-à-dire qui domine dans ces deux premiers paragraphes, et tu dois relever ces formes de phrases. C'est la forme pendant le
Ah bon, ça. Écoute-moi. Réponds à la question. Quelle phrase revient souvent dans les deux premiers paragraphes? La forme affirmative ou bien la forme négative? Dans le premier paragraphe? Dans les deux premiers, oui. Là, on va l'achète. Je peux? Oui, mais... Je peux... Écoutez un peu. Regarde ça à la question. Donc, je pense, quelle est la forme de phrase qui revient souvent dans les deux premiers paragraphes, c'est-à-dire qui domine dans les deux premiers paragraphes. Oui? Alors, c'est quelle forme, Shaza? C'est affirmatif. C'est la forme affirmative qui domine? Maîtresse? Oui, Bilal. Non, non, pardon, négative. Négative, mais oui, c'est ce que je viens de dire. Alors, maintenant, il nous demande de relever ces phrases. Comment sont-elles formées? C'est-à-dire, elles sont formées par ne pas, ne plus, un apostrophe, je ne sais pas quoi. Alors, maintenant, tu lis et tu relèves les phrases négatives. Vas-y. Mais je peux dire à toi. Maintenant, je peux. Mais à chat. C'est quoi? Oui, oui. Chaza. Maîtresse, je peux relever les... Hamad, dommage. Tu m'as fait mal à la tête. Mille fois, j'ai dit, ne dites pas, maîtresse, je peux. Levez la main et je peux, j'ai des yeux et je peux voir. Je n'arrive pas à écouter les autres. Oui, Nourhan. S'il te plaît, relève les phrases qui expriment ou bien les phrases à la forme négative dans le premier paragraphe maintenant seulement. Tout d'abord, dans cette quatrième secondaire, je n'étais plus la fille de Joseph. Donc, où est la phrase d'affirmative? Je n'étais plus. Je n'étais plus. Donc, un apostrophe et plus. Donc, je n'étais plus le fils de Joseph. Comment elle est formée cette phrase? Elle est formée par un apostrophe plus. Merci Nourhan. Mohamed Damash, continue. Oui. Maîtresse, il n'y a pas encore dans la première. Dans le premier paragraphe, il y a seulement. Je n'avais plus. Dans le premier paragraphe, il y a seulement. Cette phrase, n'est-ce pas? Je passe au deuxième paragraphe. Oui. Je n'avais plus ma classe et mon pupitre. Maîtresse, je n'avais plus. Très bien. Donc, je n'avais plus. Je continue jusqu'à la fin de la phrase. Comment elle est formée, cette phrase? Maîtresse négative. Phrase négative. Oui, mais comment elle est formée, Mohamed? Maîtresse, comment? Regarde la première phrase, Mohamed, dans le premier paragraphe. Je n'étais plus le fils de Joseph. Elle est formée, ou bien oui. On a utilisé un apostrophe plus dans cette phrase négative. Dans cette phrase négative, qu'est-ce que j'ai utilisé pour exprimer la négation? Un apostrophe et plus. Très bien, un apostrophe. Et plus. Alors, il ne reste plus de temps. Il y a un autre. Je veux arrêter. Il n'y a j'ai plus de temps. Dans le chat. Il n'y en était pas. J'ai vu. Mais c'est juste. Oui, c'est juste. Alors, il ne reste plus de temps. Vous allez avoir comme devoir. Faites attention avant que ça se termine. Donc, vous faites le devoir. Numéro. Donc, vous travaillez. Numéro 2. Alors, vous travaillez numéro 2, numéro 3 comme deux fois. 2, on a travaillé, on a commencé à travailler numéro 2. Donc, vous le travaillez de nouveau. Et numéro 3.